Bonjour à vous, si vous nous rejoignez à l'instant, on était justement en train de dire que les conditions de jeu étaient parfaites. Un ciel dégagé, des tribunes qui se sont remplies, une magnifique ambiance, une pelouse presque parfaite. Bon, je vous épargne le bulletin météo complet, je me permettrai juste d'ajouter que c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce match et de vous remercier pour votre fidélité. Merci. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Et voici maintenant l'hymne national de la Bolivie. D'après nos informations, ça devrait être un 4-5-1. Avec ce système, l'objectif principal, c'est en général la possession. C'est plus facile de construire quand on est 5, notamment. Et ça ne m'étonnerait pas de voir le plus avancé des milieux de terrain avoir plus de liberté pour venir au soutien de l'attaquant ou proposer des solutions sur l'aile. Et coup d'envoi de ce match. C'est la dernière rencontre de la phase aller de ce championnat. Juste après, on pourra faire un premier bilan. Et il perd l'équilibre. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Bon service dans la profondeur. Bonne lecture de la trajectoire. C'est joué dans l'espace. Donc ça va partir vite. Le bon ballon. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Il est servi, il prend sa chance. Et l'arrêt est magnifique. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Ballon intercepté, ça soulage la défense. Vous avez remarqué comme les latéraux montent? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer des dégâts. C'est une faute, l'arbitre intervient. On s'observe, on se jauge, mais c'est logique en ces débuts de rencontre. Oui, il faut frapper là! Quel enchaînement avec cette frappe! Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de canon sans aucune préparation. La défense pourra intervenir beaucoup plus rapidement. En retrait pour repartir proprement. Un long ballon. Oh, la frappe! Oh, la main ferme! Et le gardien est présent! Ah oui, superbe! Un très long ballon. Bon, le score est toujours nul et vierge. Le bon jaillissement. L'ouverture lumineuse. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Ça peut partir en contre. Bien servi. Oh,
C'est joué long. Bonne interception, il y avait danger. Ça joue long. La passe est précise. Frappe ! L'ouverture était lumineuse. Dommage. Quelle balle en profondeur. Super vista pour trouver son partenaire. Il ne résiste pas au contact. Il sonne la charge. C'est reparti, ils peuvent contrer. C'est bien ce qu'il fait là. 30 bons mètres de course, stoppé net. Il joue long. La longue passe, il peut en profiter. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est joué long, attention. Il y a danger. Bien travaillé dans la surface. Et la bonne intervention. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. On le contre, l'arme fatale. Le ballon dans la profondeur. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. La bonne passe. Il allonge le jeu. Le bon dribble. Ça peut faire mal. Il peut s'en dépasser les choses de cette première période. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. C'est reparti, ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, mais attention, il reste encore du temps à jouer. Long ballon. Ce long ballon ne donnera rien. Et c'est la pause ici. Les deux équipes regagnent donc le vestiaire avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. Un petit but sépare les deux équipes, 1-0 à la pause. Coup d'envoi de la seconde période. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. C'est joué long. Le ballon dans la surface. Un peu d'oxygène, mais ça va revenir. Quelle solidité. Ader Ganaï. Ça bouge, côté gauche. Dans l'axe. La profondeur, bien vu. Oh, la frappe. Oh, il croque maintenant l'avance de Tobu. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Le break est fait, on est reparti. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Quelle passe! Alejandro Chumacero. Il cherche ses attaquants.
Ils sont revenus sur le terrain avec des meilleures intentions. C'est bien. Dans la profondeur. Il préfère repasser l'arrière. En retrait. Le foot est un sport collectif. Sans coéquipier, on ne fait rien. La longue passe. Voilà une bonne occasion de contre. Il est passé. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. L'arbitre a sifflé. Faute. On dirait qu'ils se méfient de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Alejandro Chumacero. Il joue en profondeur. C'est mal dégagé. Oh, l'occasion! Oh, attention! Attention, la frappe! Il est en bonne position pour centrer. Le bon dégagement. Ça passera sur le côté. Nouveau centre. Ça ne passe pas. Et il continue de progresser. Ce contre peut très bien aller au bout. Il tacle. Il y avait danger. Sur la gauche. Il est bien placé. C'est dégagé loin. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Il a trébuché sur cette intervention. Ouf, un peu d'air. Et la touche maintenant. Long ballon dans le sens du jeu. L'interception, bien joué. Il cherche la profondeur. Il voit sa passe interceptée. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Ça sent la frappe. Attends, il va frapper. Oh, c'est chaud. Va-t-il en profiter? Ça peut être extrêmement dangereux. Le bon dribble. Centre à ras de terre. Et ce ballon qui sera pour le gardien. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Ça joue à gauche. Et le centre bien placé. Il est là pour dégager. La Bolivie pratique un beau jeu de passe, mais c'est un peu stérile quand même. Le coup de sifflet final.
Le match est terminé. Oh, la victoire est vraiment méritée parce qu'ils avaient plus envie, parce qu'ils ont fait les bons choix et surtout parce qu'ils ont plus de talent. Alors, que retenir de cette rencontre? Ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer, c'est de passer dans l'axe. Eh oui, mais bon, encore faut-il avoir les joueurs pour le faire. C'est la fin de notre après-midi football, on doit se quitter. Darren d'Angleterre, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, mon cher Grégoire.